Ah oui, c'est sûr que ça fait un sacré changement. Un sacré changement. C'est tout ce que tu trouves à dire? J'ai été changé en volaille! Oui, mais on a au moins une bonne nouvelle. Vivi? Ah oui, excuse-nous, on a enfin fini de retirer toutes les caméras espionnes que Gus avait installées. Il pourra plus rien regarder. Ah, tant mieux. Il m'observait en train de dormir. Non, sérieusement, faut vraiment qu'il se trouve une copine. Oh oui, bien sûr. C'est sûr. Il est clair que ça lui ferait un peu de bien. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on trouve une solution à mon petit problème. Oh, t'inquiète pas, Bibi est déjà sur le coup. J'ai lancé une alerte à tous les contacts tarés que nous connaissons. Il y en a sûrement un qui va répondre. Ah bah tiens, ah bah c'est génial. Il dit qu'il a justement créé une machine qui est capable de rendre l'apparence humaine à Oncle Buck. Ah bah c'est cool ça. Par contre, il impose une condition pour son service. Laquelle? Il te le dira que quand tu seras redevenu un être humain. Bon, d'accord, dis-lui de venir. En attendant, venez, on va se mater les petites vidéos que j'ai faites de la Clermont Geek Convention. Oh, ça c'est chouette! Heures de route? Et t'es parti à 4h du matin? Bah dis donc, ça doit être éprouvant le trajet. Un peu. Mais au moins, regarde ce qu'il y a eu à l'arrivée. Ouais, voilà. Après 5 heures de route. Je suis fatigué. J'ai une télé, mais je sais pas si elle marche. Mais regardez qui c'est qui est avec moi. Tada! Oh, vous êtes tous réunis. C'est trop génial. Mais y'avait pas Amy? Y'avait pas Amy? Non, elle a pas pu venir. Ah, c'est un peu dommage. Bon bah du coup, Amy, grosse pensée à toi. Et ça vient du fond de notre cœur. On n'en a pas? Ah oui, c'est vrai. Oh, les deux filles qui étaient là, elles étaient toutes fatiguées, trop mimi. Mais attends, c'est Pixie? Ah, j'adore Pixie! Il s'est passé quelque chose avec elle? Il s'est jamais rien passé quelque chose avec Pixie. Sauf peut-être une fois au chalet. Ça, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe au chalet? Et voilà ce qui arrive quand on prend trop de thé. Elles sont folles. Je crois que je suis amoureux. Coucou! Une clé USB Picsou. C'est ça? Là, ah, regarde. Oui. T'as vu? Le petit mec qui est là, il fait des bêtises. Ah oui? On a fait beaucoup de bêtises hier soir. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, matinée bien passée à la Japan, voilà. Et là on a commandé à bouffer. Voilà, on commence à manger. Bon appétit. Ce n'est pas un adieu. Rien qu'un au revoir. Bon, voilà, c'est fini. C'est un peu triste, hein? Et sniff! Oui, mais au moins on aura d'autres occasions. Ah, ça doit être sûrement lui qui est arrivé. Dites-moi les gars, on va au cirque ce soir? Pourquoi tu demandes ça? Regarde un peu ce qui arrive derrière moi. Hello, la Duck Family! Je suis là! J'aurais vraiment tout vu dans cette émission. Axel Critique. Tu vas bien? Ouais, j'ai ramené la machine. On peut y aller? Eh ben, on y va. Oh bah dis donc, ça en jette comme endroit. Et comment? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Je prends des photos avec mon téléphone pour immortaliser ce moment. Allez, Buck, rentre dans le scanner! Hein?
Bixby, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai rajouté une petite musique, tu sais, histoire d'accentuer un peu plus la mise en scène. On n'a pas besoin de plus de mise en scène! Allez, c'est parti! Oh. Ah. Je pense qu'il était plus que temps que l'on passe à une étape supérieure. Oui, Sabrina est de retour. Oncle Buck est de retour. Du coup, Axel, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier?